Et Chris, une chance. Tu crois que ça pourrait être par qui? Donne une chance. Table à checker, ça serait Cédric. Il est un peu mystérieux, il en dit pas trop sur ses talents et tout, donc j'ai hâte de voir ça. C'est justement ça qu'on va le voir. Quelle est l'étendue de tes talents culinaires, Cédric? Je cuisine pas depuis longtemps. Mais je crois que mon arme secrète, c'est d'avoir pratiqué, repratiqué et fait goûter mes repas. Donc, je vais vraiment les surprendre ce soir. Et la première surprise pourrait avoir... Calme, hein, Sven, tu m'y suis. Culinaire, Cédric? Je cuisine pas depuis longtemps, mais je crois que mon arme secrète, c'est d'avoir pratiqué, repratiqué et fait goûter mes repas. C'est quoi ce shot-là? Il fixe mon arme! Regarde à côté, ici! Donc, je vais vraiment les surprendre ce soir. Et la première surprise pourrait avoir lieu lors de cette entrée. Change Dude! Oh, il a vu être à mon corps! Chier, j'aime ça. Change de ton. Hey, c'est bien ça. Wow, j'aime ça les jeux de mots de même. C'est sûr que si on voit qualité de ton, c'est sûr que j'aimerais un ton qui vienne de la poissonnerie. Non? Tout ce que tu me dis n'a plus de valeur considérant que t'as cook un peu bizarre pis tu laves ta viande. Bizarre. Pas dans une boîte. Il a mouillé son steak. C'était weird. C'est plat, t'es bad. Peu importe, son opinion est rendue out the window. We don't care. J'adore les tartares. We don't care. C'est sûr que c'est un peu plus simple. Que le go fasse! Si c'est bien apprêté avec les bons ingrédients, je pense que je vais être content avec un bon tartare de ton. Si c'est ça. Passons maintenant au plat principal de Cédric. Tout en longueur. Tout en longueur! Peut-être qu'on continue avec des longueurs de poisson. Définitivement, on a quelqu'un ici qui aime les jeux de mots. Mais celui-là, il a pas... Ouais, yo, il a juste pris sa... Il a un steak, il l'a mis en dessous de l'eau. C'est pourquoi tu fais ça? Puis il est comme... Il dit, on sait jamais, hein? Anyway, ce que tu viens de faire fait aucun sens. C'est comme si t'as pas lavé ta viande non plus. C'est ça? Pourquoi tu fais ça? Punch, en fait. Tout en longueur. Qu'est-ce qui est long? Peut-être qu'il va avoir de la viande en longueur. C'est à suivre. Son chou, il touche pas. Son le touche pas. Suivi par ce dessert. Découvre-toi. Là, je suis vraiment perplexe. Pâte feuilletée, qu'on coupe, qu'on découvre quelque chose de sucré dedans. Découvre-toi, mais c'est comme ça serait... Pour enlever du linge, non, ça serait plus... Ah, don't be creepy, man! Si t'as aucun riz, pis t'es... comme le charisme d'une fourchette, tu peux pas être bizarre là même. Faut que tu balances un peu, ça marche pas là. Ça nous a bien. T'es nu de toi. J'aimerais ça des fruits exotiques. J'aimerais vraiment ça comme. Ben que j'ai jamais goûté. En tout cas, direction cuisine. Le charisme d'une mouche à fruits. Je commence mon souper, ça va être fond. Anna, le charisme du mouche à fruits, pour vrai, c'est puissant. Je vais peut-être la voler là. Fantastique, c'est parti. Bon, le chocolat. Oui, j'aimerais ça. Et notre cuisinier champion va commencer par quoi? Là, j'allais faire fondre mon chocolat. OK. Et t'as fait ça souvent? Lui, il a l'air plus weird, ouais. Pratiqué, là, on doit avoir dépensé 200$ de chocolat. Genre, des ballons, j'en ai pété. Des ballons, j'en ai raté. Des bols en chocolat, je te le dis, c'est l'enfer. On a bien hâte de voir si cette fois-ci, tu vas réussir. OK. Donc, c'est quoi au juste que tu vas faire? Ce qui arrive, c'est que t'as l'air aussi bon que ta compétition peut être, t'sais. Fait que si là, t'as la compétition avec la première fille que c'était pourri, le deuxième gars qui suait partout, puis là, il y a lui, c'est comme plus facile d'avoir l'air meilleur. Si ta compétition est vraiment plus forte, puis t'es une graine, t'as l'air d'une graine, tu peux être bon en pareil, t'sais. Lui, il a l'air d'avoir le chemin libre assez facilement. Hein? Ben, je vais faire un dôme avec mon chocolat. Puis là, après, ben, le résultat, je vais qu'il fonde pour découvrir le dessert. Okay. Ça marche, il n'y a pas de stress, ça va bien aller. Okay. Ça n'a pas été réussi souvent à notre émission, en tout cas. Cédric prépare aussi le caramel. Je prends mon petit outil spécial, parce que quand t'es bon, ben t'es équipé. Fait que c'est une spatule avec un thermomètre dedans. Wow! Ça commence à chauffer. Une spatule que Cédric fait fondre le chocolat au bain-marie, tout en gardant un œil à son... Tu sais qu'il a dit? Mais ça a l'air à chier faire les dômes de chocolat. Ça a... Pour qu'est-ce que ça fait? Nobody cares. Oh shit, du chocolat, mais en bol! Wow! Ça a l'air en crise, non? À quel point c'est tough, il n'y a pas assez de... On s'en crie, ça, non? Ça commence à chauffer. Cédric fait fondre le chocolat au bain-marie, tout en gardant un œil à son caramel. Le caramel, faut pas que je le lâche. Mais il ne doit pas non plus lâcher son chocolat. Ça fait beaucoup de choses à ne pas lâcher en même temps. Hey, je pensais pas être content de même de réussir un caramel à TV. Voilà pour le caramel, on retourne s'occuper du chocolat. Comme ça. Et tu crois que ça va marcher? Ah, je me le souhaite vraiment. Faut que ça fonctionne. Voilà pour les ballons. On dispose des tasses. Tu vois, ça a l'air chiant, même! On met ça dans le chocolat, j'en fais un chèque. Nobody cares! T'es confiant? Ben là, le chocolat est pas trop chaud, mais comme 3-4 fois, on le pète, là, puis la ballonne éclate. Fait que genre, tu repeintures ta maison complète. C'est l'enfer. L'enfer, on l'a mis partout. Mon Dieu, je voulais mourir. OK, là, on y va. Moment décisif. Oui, c'était... Je voulais donner un 6, mais il a fait un bol en chocolat, je vais donner 7. Nobody said that ever. Important de mettre beaucoup de chocolat. Comme ça. Et une fois que c'est fait, wow! On dépose sur les tasses. Hey, ça va être beau de même. C'est un bol en chocolat!
Colotte! Il travaille. Et au final, voici ce que ça donne. Ensuite, faites domino tellement, Stéphane! On verse donc de l'huile dans le chaudron, puis on coupe des tomates cerises. Quand tu des moules, tu pètes la ballonne? Et une fois que c'est fait, on les envoie dans notre chaudron pour faire une sauce tomate. OK. On déballe ensuite du porc haché afin d'en faire porc des saucisses. Bon. Oh, des saucisses! OK, il y en donne! Gadget. Mon saucissier. Ça, est-ce qu'il éclate les deux autres, sauf un? On enfile ensuite le boyau de porc. T'as fait ça souvent, des saucisses, Cédric? Kim, le boy qui cook pas depuis plus de 6 mois, il fait des saucisses pis tout, il démolit les deux autres personnes qui vont le voir, là. J'ai mes saucisses pour la troisième fois. Et en tout cas, j'espère qu'elles vont être aussi bonnes que les deux premières. Kim! C'est donc parti pour les saucisses. Et ça a l'air de très bien se passer. On coupe. On fait des nœuds. C'est fort! Cédric, si jamais tu gagnes, tu vas faire quoi avec l'argent? Ben là, on s'est acheté une tente roulotte. Fait que l'équiper. Je pense plus qu'elle l'est déjà. Puis sinon, on repart en voyage l'année prochaine. Donc, payer une partie du voyage. Willy, what's up, dude? Comment ça va? Il mélange tout ça, recouvre d'une pellicule de plastique, et c'est tout pour cette étape. Stéphanie, en Christ. La bonne humeur. Il envoie de farine sur son comptoir, car c'est le temps de laminer la pâte. On pétrit un peu. Il fait des pâtes! Et c'est parti! Dude! Et ça aussi, ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'il pousse? Une chance que ça fait pas longtemps qu'il cuisine. Un petit sprint pour aller chercher son séchoir à pâte. Puis, on coupe. Voici, on a combien de temps pour faire le ménage? Hello, spécialement après les deux snacks de déchets des 2 jours d'avant, là, c'est bol. Le gars suant, la fille qui c'était comme... dégueu un peu, mais... easy win, là. Genre 6 heures? Pas vraiment, non. Tes invités vont arriver dans pas grand temps. Cédric finit de couper ses pâtes, qu'il suspend. Ouais, c'était ça! Continue de courir pour aller chercher un gros casseau de fraises pour son tartare. Intense, hein? Un peu de nettoyage. On retourne la planche. Et on écoute les fraises que l'on coupe ensuite en petits morceaux. Un petit tour au frigo pour aller chercher le bol de tartare. On déballe. C'est le seul qui cuisine! Et on ajoute nos fraises. Tout le monde 2 heures. Il en donne plus que les autres. Bon, on remballe tout ça. Et puis? Fini. Mes pâtes sont là, mes tomates sont cuites. Mon tartare, il y a de l'air de ce qu'il y a de l'air. Si on se compare à faire cuire un morceau de viande puis couper une barre de salade ou... mettre de la romaine dans la poêle, c'est sûr que genre au niveau complexité de mon repas, on est au top. J'espère que les invités de Cédric aiment les cerises au marasquin parce qu'il va y en avoir en masse dans ses cocktails. Une petite touche d'agrumes et on remplit le verre. Et c'est sur sa terrasse qu'on va boire tout ça. Hey, comment ça va, mister? Hey, ça va? Ça vient? Ben oui. Passe une belle journée. Mais super, toi. Dude, il est tellement gros! T'es t'asseoir? J'exécute! Oui, t'es à côté de moi ou. T'as un assez gros cul! Sexy guy, le Chris. Le cocktail de. Merci, Rémi Mosgianti. Ce soir, très goûteux avec le jus d'orange aussi. C'est un beau mariage avec. Free win, lui. C'était vraiment bien. Hello! Free win! Ça va, toi? Ben oui! Allô? T'es bien belle? Soir, c'est ta main, chef. Pour l'instant, j'ai pas le goût aujourd'hui. Nous quittons. Wow, c'est beau ça, c'est quoi un mimosa? Non. Non, ça c'est le matin. Cédric là, t'es toujours à l'aise avec lui, tu te sens bien. Ça paraît que Mario est pas là. Ça paraît que Mario il est pas encore arrivé là. Ah, oh, je l'adore. Troisième invité, Raphaël. Allô! Ok. Allô! Ça va bien? Mario vient scraper le mood. Ouais, ben c'est un punch au fruit. Ok, cool. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Non, ouais, ce soir, c'est thématique. Pas d'alcool. Virgin? Ouais. Pourquoi? Sans alcool, c'est incroyable, ça. Ça m'a vraiment surpris, charmé, impressionné. Charmé. C'est juste que c'est pas vrai. Voici Mario. Bonjour, la gang. Hey. Comment allez-vous? Ah! Hey, très belle place, bel endroit. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Tu veux lui expliquer le cocktail? Oui, c'est ça. Je pense que ça serait intéressant. Merci. Là, Big, il y a quoi qui se passe, là? Pourquoi il y a encore son chandail à l'envers? Voici Mario. Bonjour, la gang. Qu'est-ce qui se passe, ce gars-là? Je comprends pas. Ça fait 3 fois, là. Pour les brands, on vient de voir arriver avec un chandail. Ils ont fait comme, yo, viens-t'en, oh shit, t'as un crocodile, watch out! On le voit! Bonjour, la gang! Lui, là, il a l'air de l'avoir tourné, son chandail. Pauvre lui, man, c'est chien! Oh! Ça va? Hey, très belle place, bel endroit. Merci beaucoup, bienvenue chez nous. Tu veux lui expliquer le cocktail? Oui, c'est ça. Je pense que ça serait intéressant. Merci. Dans le tien, j'ai mis du rhum. Du rhum? Ouais, ouais. Pour faire un petit rappel à ta soirée d'hier. Avec le thème qu'on a eu hier soir avec mon rhum, je me suis senti vraiment privilégié. Je suis comme, hey. Mais ça se peut-tu que ce soit fait de même? T'es fait de même? Ouais, c'est vraiment bon, ton cocktail. Je trouve ça rafraîchissant, l'idée de faire un souper sans alcool. C'est une excellente initiative. Fais-toi pas trop d'idées, là. Ça, juste ça se termine là. Ouais. C'était comme un petit. Fais-tu une joke? Oui. Oh, t'as eu.
Mais il y avait de l'alcool dans le cocktail. Vous m'aviez dit que vous aviez faim? Moi, je vous laisse, et je reviens avec. Mais je comprends pas, moi, tout. C'est weird. It's in the back right there. Je comprends pas. Pas fait de même, c'est impossible. C'est bon? Excellent, à tantôt. Merci. En route pour la cuisine. C'est parti comme tu veux. Je suis vraiment content de voir Florence. Je pense qu'on a vraiment une belle chimie. De retour à nos ardoises, sur lesquelles on dépose du pouce. Le pompier, il sent ça et partout. Cette fois-ci, ça sent le brûlé. Les coupons sont réussis. On les ajoute et on peut servir l'entrée. Change de sac. Tartare de thon avec petit pain grillé maison. Juste la maison qui est grillée. OK, parfait. Okay. C'est pour ça que ça va bien. On peut commencer à manger parce que sinon, on finira pas. L'entrée était tellement bonne. Ouh. Je comprends pas. Je pense que j'ai jamais mangé un aussi bon tartare de ma vie. Vrai? Je mange beaucoup piquant, alors c'est venu me chercher. J'ai vraiment apprécié, je peux le dire. J'ai aimé son entrée. L'entrée était sans faute. D'habitude, j'aime pas. De turbo free win. T'as jamais vu un gars gagner facile de même, là. Sacrément! Pas le ton rouge, puis là, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que les saveurs étaient équilibrées. Bien, vous dire quoi ça va? C'était très bon. La présentation sur la d'ardoise avec les petites plantes et tout, vraiment sharp. C'est très bien parti pour Cédric. Que ses invités ont envie de connaître. De good, Liam! Tu l'as dit? Chez vous, c'est toi-même qui as fait de la décoration avec ton chum ou. C'est plus lui ou c'est plus toi, mettons? Plus lui. OK. Tout le monde dit que j'en fais de bien. On aime ça se faire des niaiseries. Puis, comme la dernière fois, il m'a vidé un pot de yogourt périmé, genre dans la douche. Ah. Ça arrive souvent. OK, fait que vous jouez des tours. Ouais. Ah, oh, moi, je serais tellement. Pourquoi? Yikes! Ça arrive souvent? Arc! Yes! Oh, c'est quoi cette affaire-là? C'est drôle. Ben, chacun ses façons de trouver son amour. Ça me tenterait pas du tout de me faire verser un bocal. Ben, moi, par contre, moi, mon frère, on était jeune, on se faisait souvent chier. Tu sais, dans le fond, quand on prenait notre douche, ça arrivait souvent que mon frère, mettons, il arrivait, il y avait un petit verre d'eau glacée, il crissait par-dessus la douche, puis il trouvait ça bien drôle. Ça me faisait chier à chaque fois. Moi, j'y faisais jamais! Parce que Chris, 2 ans plus vieux que moi, 50 livres de plus. C'est un prank one-sided. Tu sais, tu te laves de coup, ah! Tu te fais terroriser par la glace, man! Quel de yogourt? C'est un classique, mais dude, moi, si je faisais, il me tuait, genre, littéralement. I was abused by my brother! Nous sommes de retour en cuisine avec Cédric, qui en a plein les bras. Yeah. Il démarre la cuisson des saucisses tout en brassant sa sauce tomate. Il retourne ses saucisses, mais elles ne cuisent pas nécessairement à la vitesse voulue. On parle avec cette plaque de matelot tout en continuant de s'occuper de la viande. Les pâtes sont prêtes, c'est déjà ça. On les égoutte, puis on les dépose dans les assiettes. On ajoute la sauce, puis les saucisses. En espérant. Ah, d'outils, tu pas les faire chauffer ces saucisses, c'est quoi? Place au plat principal, tout en longueur. Ça, ça a pas l'air bon, mais ça, par contre, je sais pas. C'est une saucisse ouverte avec des pâtes fraîches faites. Dude. Pourquoi il peut mettre des petites saucisses puis les accumuler dans ses pâtes? C'est donc ben dog! Maison. Je tiens à mentionner, la saucisse, tout est fait maison. Vraiment. T'as fait maison, la saucisse? Ouais, j'ai fait maison. Vrai? Ouais. Bon, mais goûtez. Oui. Ouais. Puis vous me direz. Bon appétit, tout le monde. Ben, ça me fait plaisir. Ouais. Ça manque peut-être un peu de cuisson pour la mienne. Je sais pas la vôtre, là. Moi aussi. Ouais, un petit peu. Porc? Oui. Wow. Le fait que son porc était pas cuit, c'est vraiment délicat. Côté compétition culinaire, ça passe pas. Ouais, toi, tu connais ça en Chris, hein, la bouffe. T'as cuisiné comme un petit chef hier, les gens aimaient ça. La saucisse du plat principal, j'ai trouvé vraiment bien qu'elle ait fait ça maison. Cependant, la cuisson faisait en sorte que la saucisse, je pouvais pas l'apprécier autant que je voulais. Hey, il a fait ses pâtes lui-même, ses saucisses lui-même. Tout était wow, je sais pas si j'aurais été capable de faire ça. Le plat principal de Cédric, c'était un A pour l'effort, mais un E pour l'exécution. Ça aurait donc pu être un plat de compétition, mais so bad. Ma maîtrise n'était pas là, malheureusement, pour moi. Ça se complique pour Cédric, qui est de retour en cuisine, où ça pourrait se compliquer encore davantage. Mais par contre, je trouve ça cave qu'il ait servi les saucisses sans être cuites. Encore là, please, donnez-y 2 minutes, faites de quoi, là? C'est tellement chien, c'est raw, qu'on laisse. Oh! Excusez. Hey, ça marche. Comme maintenant que je suis célibataire, il y a beaucoup de femmes qui tombent en amour, man. Puis je suis comme, mais non, girls, moi, je veux avoir du bon temps et tout, et tout, et tout. Je suis direct, je suis honnête, réaliste. Et tabarnak. Resident Sleeper, IRL. Check, hey, même lui. Même Chris, il est comme, dude, qu'est-ce que tu me dis là? Quoi, c'est unrequested, genre Riz? Ça s'appelle découverte. Mais Anna, moi, je sais te saisir ça, une pièce, là. Je te saisis ça, les gens sont charmés par moi, là, direct. La crème glacée est faite maison. Avec un petit brownies. Donc, le but du jeu,
ça va être de prendre notre caramel, fait maison, chaud, le mettre sur la bulle, là, on croise nos doigts, d'accord? Oh, ouais, croisons tout de suite. Le live, là? Ouais, live, là. Let's go. Attends-moi avec ton inspiration. Il y a peut-être un... Ah! Ouais, bon, ben tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu ça. On l'a comme à 50%. Moi, ça me va. Enjoy, everybody. Côté présentation, c'était vraiment magnifique. On voit une boule de chocolat, puis après, il y a un coulis. Le charmeur, ce qui est bon, lui. Gros charme. Le caramel, puis moi, sincèrement, caramel, chocolat, ouais, c'est dans mes cas. C'était vraiment gastronomique. Les fraises, la crème glacée maison, le dôme fait... Il m'angoisse, le Mario, man. Calice, il m'angoisse. Maison, écoute, là, bravo, Cédric. Le dessert ce soir de Cédric... J'avoue qu'il parle! Vraiment recherché. Tout a été fait maison. Donc, chapeau à ça. La présentation chapeau. Était tellement belle. Tout était tellement beau, là. Je suis jalouse. Je me dis, wow, j'aurais voulu que ça soit mon souper parce que... Elle, elle a oublié que la saucisse était pas cuite, genre. Que c'était comme des pâtes avec la petite sauce sur le top. Et là, vont être déçus, hein. Et à table, la conversation de tantôt se poursuit. À toi. Ouais, y a personne qui va lui demander, comme, on peut-tu savoir pourquoi tu portes tes chandelles à l'envers? Moi, j'y demanderais. Comment pas? Les étiquettes, c'est en dedans, oui. Toi, Mario. Moi, j'étais allé voir un docteur, puis le docteur m'a dit, vous êtes vraiment fertile. Vous pouvez faire tomber une femme enceinte juste avec le regard. Oh, chut, ta gueule, Big! C'est quoi qu'il dit? Là, moi, je suis comme, wow, c'est fou. Et les femmes tombent enceintes avec mon record. Je veux dire, on est rendu où, là, dans un film Hollywood, là? Ça marche plus. Quand je dis que juste avec le regard, vas-y, on peut mettre une femme enceinte, et c'est ça, mon regard. Oh, mesdames. C'est qui, ce gars-là, man? C'est quoi, ça? Pour vrai, là. Mario, calme-toi un peu, là. Et enfermez ce gars-là quelque part, là. Tabarouette! C'est un premier bilan de sa soirée. Je suis fier de ma journée. Vraiment, c'est le stress qui tombe. Là, les filles qui sont tombées enceintes à la maison, là, en venant en vue cette machine de guerre sexuelle, je suis désolé, by the way. Pour toutes ceux qui vont tomber enceintes, I'm so sorry. Je l'avais pas vu venir. Ok, on va dormir comme un petit bébé, là. Ça sera pas difficile. Oh, la soirée a été à la hauteur de mes attentes. Rien de moins que ce que je pensais qui allait arriver. Tellement une belle gang. La soirée s'est vraiment bien déroulée. Du début à la fin, les plats étaient délicieux. Juste. La saucisse qui était pas bien cuite. Mais la saucisse, c'est littéralement la moitié du plat. On dirait qu'il passe par-dessus ça ultra facilement vu que le reste est chill, tu sais. Tout le reste, j'ai... Saint aussi! Hey, Cédric, je l'aime, mais là, je l'aime encore plus avec son repas. Je peux dire que c'était tout ce que j'aimais. Le fait que Cédric a voulu présenter son plat principal de saucisse, mais que ma saucisse, elle était crue, je lui donne la note de 6. Ce soir, pour Cédric, je donne... Man, je me rends compte que quand j'ai fait... Hey, t'attends-tu de... T'irais-tu down de... T'aurais-tu envie de... Tu pourrais-tu faire... Oh, je suis down. C'était pareil. Le gars dit n'importe quoi. La note de 8. Ce soir, pour Cédric, je donne la note de... 8. Ce soir, je... 8! 9! 8! 9! Et Cédric aimerait qu'on lui ait donné compte... 9! Avec la saucisse raw! What? Man, il aime donc bien! Cédric s'empare du premier rang. Wow! Avec 31 points. Demain, chez Florence, l'inspecteur... C'est ça, Gary, le truc, c'est... T'as l'air vraiment meilleur si t'es avec des noobs. Les deux premiers repas, vu que c'est un désastre, là, c'est la troisième.